Salut tout le monde, c'est Striker et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des objectifs secondaires. Et donc ouais, au final j'aurais fait pas mal d'objectifs secondaires là, entre l'épisode 2 et l'épisode 3, mais là normalement c'est le dernier, donc aujourd'hui on va essayer déjà de libérer les deux dernières tours radio et de continuer un peu à améliorer nos capacités de transport de munitions en tout genre. Et avec un peu de chance j'aurai assez d'argent pour acheter une nouvelle arme. Alors j'hésite entre l'AMR et du coup le Shredder. Mais bon. Ah bah maintenant c'est bien, il y a un Delta Plane ici. Ouais, on avait fait cette mission là. D'ailleurs le mec il disparaît. D'accord, original. Alors, laissez-moi briller. Parce qu'on va se téléporter directement là-bas. Ouais, attendez. Ok. Donc, c'est quoi les deux buffs à côté? On pourra peut-être se. Ah! Voilà. Ouais, bah, s'il y a des buffs à côté, on va en profiter pour les chasser, hein, parce que. Je crois qu'il nous faut des pots, justement, pour améliorer un. J'ai peut-être rapproché un petit peu le micro, voilà. Pour améliorer un. Un comment un... Merde. Ouais, enfin bref, vous me comprenez pas, un conteneur. Enfin, une capacité de transport. Ah ouais. Que je regarde quand même ce que c'est qu'on améliore, parce que. Non, pas, ça veut pas être portefeuille, sac à butin, ça veut pas être ça non plus. Peau de buff, pour améliorer la cartouchière, voilà. Alors. J'ai mon fusil à pompe. Oui. J'ai mis la chasse au fusil à pompe. Ça reste des chiens rangés, je m'en fous. Ah mais c'est pas ça que je cherche. Ah. Personne ne veut s'attaquer à moi. Alors c'était pas ça un buff, mais bon, on aura trouvé ça, donc bon, on prend, ça pourra nous servir. Je vais pas vous le cacher. Ah, il gueule. Putain, de clébard. Alors. On récupère tout ce qu'il nous faut. Et on repart à l'attaque. Voilà. Eh, il est sérieux le truc. Ouais, quand même. Je me disais. Je veux bien croire que ce soit résistant, il faut pas déconner quoi. Alors, ma cartouchière robuste est prête. Vous savez quoi, je suis celui qui est là-bas. Oui, il y en a un autre là. Je vais me charger, toi. Déposer l'animal, s'il vous plaît. Non, c'est un peu bonnet pour déposer l'animal, je crois. Mais bon, que voulez-vous? Allez, un petit dernier pour la route. Jamais 203. Voilà. Oh, je me fais attaquer par les dindons. T'es sérieux? Le dindon il m'a tout shot. Putain. Le dindon, c'est les chiens, c'est les futurs chiens sur le vacuum, ce quoi. Plutôt, vous avez dindon d'attaque. Sérieux, hein, vous avez bien vu quand même le truc, ça m'a. Oh putain. Et. Bref, moi je me retrouve du coup. Bon, en gros, autant que j'entends là-bas. Voilà. Donc on va aller chercher ces putains de deux tours radio, normalement ce sera tout, on va peut-être se faire un peu de camp, et un peu de chasse. Donc comme ça,
voir un peu tout. Alors, là, prends voiture. Dès qu'on a voiture, on part ici. C'est parti. Alors, je vois quand même si j'ai bien pris la bonne route. On va dire absolument pas. Parce que là, sinon je vais faire un grand tour pour rien. On va prendre la route qui est juste derrière là. Il faut que je regarde un petit peu laquelle je devrais prendre. Ouais, je tourne directement et je continue. Voilà. C'est parti. Alors, je pense que dans cette. Je pense que celui-là il sera peut-être un petit peu plus long. Peut-être aux alentours d'une heure et quelques facilement. Que le dernier. Histoire qu'on puisse enfin avancer dans l'histoire et après je pense que j'enchaînerai peut-être facilement deux épisodes. Étant donné que là j'ai amélioré beaucoup de choses, j'ai pris pas mal de. Oh putain, ça elle est chiante cette route parce que c'est cassé à chaque fois. Au passage, si vous prenez le camion, il tombe dans le. Dans l'eau. Hein. Ah, c'est chiant, puis on peut même pas passer là dans l'eau avec la voiture. Ah, fait chier ça. Ah là là là, putain. Attendez. C'est quoi ce village? Putain, y'a pas de voiture. C'est quoi? A boat parks and supplies, je sais plus, marina. Bon. Attendez, j'ai cru entendre Dragon Komodo. Ah non, c'est ça. Là, y'a une voiture. J'entends une voiture. Voiture, voiture, voiture. Voiture, s'il vous plaît. Putain. Ah, deux voitures. Voiture, 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 voiture. Merci. Voilà. Ouais, bah Citra l'a promis. Voilà. C'était pour ma vengeance. Un personnel de tout à l'heure. Bonjour messieurs, dames. Bon, on va rejoindre encore les Yamakasi agents EDF. À deux reprises. Tiens, je suis en train de m'éloigner quoi. Oh putain. C'est où ils m'ont pas repéré. Oh le cheval! Oh, c'est pas de chance, j'aurais pu avoir les deux quoi. Ah bah elle est juste là. Voilà! On va devoir sûrement les tuer avant de monter. Je vais m'en occuper personnellement. Non, bah tant mieux. Ok. Qu'est-ce que je disais? À côté. Vous savez quoi? Rien de vous une bonne sulfateuse. Voilà. Ça c'est réglé. Merci vous like. Au final, vu que ça spot tout seul les. Ah, je peux grimper ici aussi. Vu que ça spot tout seul les ennemis, on peut s'en priver. Hein. Au contraire, on va l'utiliser. Oula, putain, je passe par où, hein, à part là. Voilà. Ouais.
connerie. Hop, hop. Attendez, faut que j'aille où après. Là, derrière, ok. Hop là. Putain. Il faut qu'elle soit toute en mauvais état, t'en as pas une qui peut être en bon état. Déjà que je ne craque pas comme ça et que je n'ai pas besoin de 36 milliards d'échelles et d'escaliers cassés pour cela. Non, je suis sûr qu'il y a un coffre. Trop fort. C'est moi donner une grenade. J'aime les grenades. Alors. Qu'est-ce qu'il y a sur la map? Fais nous voir. Fais voir la tête de tigre. Il y a des maisons cassées. Enfin, en tôle. Encore des maisons en tôle. Une grotte. Personnellement, la grotte, je la ferai peut-être en bateau un jour, mais ça ne me donne pas forcément envie de la faire tout de suite. Hein. Ah, j'ai le MS16 gratuit. Ah, quel méchant! Quête de ravitaillement a été débloquée. Ah, mais quête de ravitaillement alors, ces trucs-là? Alors. J'ai une tyrolien. Attendez. En même temps, je suis un peu con, puisque vous me direz, il faut que je me téléporte ici, et je vais là. Par contre, il ne faut surtout pas que je reste dans le baptême, il faut dire que j'en sorte, vous allez voir pourquoi. Parce que c'est ce que j'avais dit à un moment, justement, quand il y avait... quand j'ai vu, en fait, toute la partie un peu bugée. Ça fait presque 1h46 de vidéo, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, en fait, dès que je rentre dans la zone jaune, ça avance la mission. Donc, c'est ce que ça m'avait fait la dernière fois. Donc, j'étais dans le caca. Ah bah, ça va, il est pas trop loin. On va pouvoir y aller, les filles. J'aimerais bien faire une élimination dans ce fusil quand même. Ça ferait plaisir. La dernière fois, je crois que je les avais loupés, les gars. Je sais pas si on tire en l'air en fait. Enfin, si on tire en l'air. Je sais pas si on tire en l'air. Enfin, ouais, si on tire en l'air, je sais pas si ça ramène des liens en fait. On peut essayer. Ce serait marrant. Voilà, j'ai l'impression que ça ira monter le grand monde en fait. C'est une voiture. Ah oui. Je monte par où, moi? Ah, d'accord. Ok, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, bang, bang. Hop. Il y a un cadavre ici, tiens. Quelqu'un est pas... Un agent de l'air est passé ici avant, mon gars. Il aime pas les hommes de verse non plus. J'ai quand même l'impression qu'il faut que je monte un petit peu. Attendez, attendez, attendez. Ah, ok, pas mal, je monte. Par là, d'accord. Ah, vous dites, je sais, je l'ai pas vu. Il y a une cordelette là, ok. Ce qu'il faudrait que je fasse le tour. Ok. Agent DF de l'extrême, Jason Brody. Tac. Je parie comme d'habitude, il faut que je fasse le truc pour bien ça casse les couilles. Oh mon dieu. Attendez, voir. C'est pas où je monte après? Eh? Ah bah j'avais pas vu l'échelle, je crois. Tac. Bon, voilà, ça va. Pas trop compliqué. Eh, monte. Voilà. Échec. Et c'est la fin. Yes. Tac. Alors, le coffre, il est où? Il est là.
tac. Et il a le truc. Ouais, t'as Cromel. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va sûrement montrer Bataille, du coup. Alors, il y a des maisons en tôle. Des cailloux ou un temple en ruine. Bataille. Oh, hey, hey, oh. Alors. Un spion radio déjà. Le Magnum Kai 44 gratuit. Enfin, je crois que c'est revolver en même temps. En fait, j'avais déjà acheté une fois. Alors, on va faire quoi maintenant? Que je regarde un petit peu du coup la map. Il y a une île, c'est mental, c'est peut-être. Il y a pas mal de petites missions secondaires. Vous savez quoi, à mon avis, pour le fun, on va peut-être en faire quelques-unes. Si, attendez, j'ai combien d'argent là? 3217, il faut 4200 pour avoir le. La AMR. Alors, on va aller ici, et puis, vu qu'on est gentil, on va aller faire la mission secondaire. Voilà. Donc, on est parti pour cette mission secondaire. Ouais, ça risque d'être marrant. Ah, je me souviens, c'était ici que j'avais galéré. Ah, n'empêche, c'était compliqué, le boîtier était bien caché, regardez. Je risquais pas de le voir. Alors. Ah, bah, y'a des civils qui se baladent dans la rue. Enfin, dans la rue. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça une rue en fait. Sur le sentier de terre battue. Oups. Quel jour l'est. Ah non, j'ai pas l'outil de réparation sur moi. Attendez, je suis arrivé où là? Oh le con, j'ai vraiment pas pris la bonne route. C'est parti! Non, monsieur, j'ai pas le bon outil. Oh putain! Putain, en plus, j'ai noté ça, qu'il fallait que je regarde la map, sinon j'allais me paumer. Quand tu viens me planter, bah j'en étais sûr. Bon, là déjà, on a découvert toute la première île, donc. Avant qu'on arrive à la deuxième île, il y a encore un peu de temps. Donc, pour l'instant, on est bien tranquille. De toute façon, ouais, c'est le fait de tout débloquer qui est le plus long. Le début, c'est le plus long, après, ça s'enchaînera plus vite. Étant donné, attendez, que là, j'ai tout amélioré, tout ça, j'ai été prendre les bonnes armes. Enfin, les bonnes armes. J'espère que c'est des bonnes armes. Non, non c'est une des meilleures armes, les armes signatures. Enfin, les meilleures armes. Des armes plus puissantes que l'arme qui allait normalement. Alors, je vais interagir avec la porte. Ouais. Ouais. Tu te casses la gueule, connard. Un flingue. Est-ce que tu sais t'en servir? Dans ce point, la réponse va de soi, non. Ah, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous aider? Les chiens sont devenus agressifs par ici. Ils se déplacent en meute. Et l'un d'entre eux est vraiment bizarre. Il y a quelques années, mon chien a eu la rage. Il mordait tout ce qui passait à s'en péter les dents. Il aboyait et il bavait comme un fou. Tu penses qu'un des chiens a la rage? Ouais. Ouais, mais c'est une chienne. Mon chien avait le même regard. Dis-moi, je peux la trouver. Merci. Mais sois prudent. Cette bête dirige la meute. Les autres chiens l'évitent, mais ils sont sûrement dans les parages. Chien. Un chien qui mordait tout ce qui passait, et puis qui bavait, et puis en fait c'était une chienne, et puis. Oh là là. Ah, puis elle se déplace en meute, hein, la coquine n'a même pas être toute seule. Quoi? Non mais vous quittez. Bah attends, je quitte pas la zone de la mission là-haut. Je m'y dirige justement. Bon, ça va pas être compliqué.
Elle va trouver, non? Ah ouais, il y a carrément un pirate de vase qui s'est fait tuer. Là-bas, regardez. Il y a la masse. Oh, vas-y, viens par là. Venez? Non. Non, j'ai pas déjà fini. Attendez. Ah, éliminer le chien alpha. Ah bah c'est fait. Retournez voir Mathilde. Ok. Bon, alors ça va. La mission n'est pas compliquée tant que vous avez une bagnole. Oh merde. La prochaine fois, je regarderai devant moi. Non, deuxième qui est passé. Attendez. J'aurais peut-être dû déplacer son corps quand même. C'est bon, faut pas t'écraser, de toute façon t'es invincible quand même. Oui, parce que les gens qui vous donnent des missions, ils sont invincibles. Vous pouvez leur tirer un mort dessus, pff, rien à foutre. Vite chien, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas c'était drôle. Bon, ah bah c'est bien en plus, ça nous fait gagner 500 dollars directement une mission comme ça. Et vous savez quoi, on va faire une deuxième. Hein. Une juste là. Attendez, ça nous fait gagner la masse de thunes, on va pas s'en plaindre, j'ai envie de dire. Attendez. Ah putain, j'ai un problème avec mon casque. Voilà, ça devrait être mieux. Ouais. Alors. Non, question de munitions, je crois que j'ai la dose. De toute façon, j'en ai pas gaspillé une depuis tout à l'heure. Pas mon fusil à pompe. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai juste à remonter vers le nord. C'est bien, c'est sur la mini-carte que le petit N n'est pas indiqué. C'est génial ça. Ah bah si, j'ai rien dit. Vous avez vu ça? Traîneau grâce au caillou. Ouais, je crois même te péter la gueule, le connard. Je sais pas, sa tête me revient pas non plus. Toi, c'était marqué attention. J'ai cru voir marqué attention. Attention, cette cabane est dangereuse et contient des explosifs. Je sais pas quoi. Allez. Oh, c'est de la bonne, mec. Putain, il va vite, hein. J'ai fini. Est-ce que ça va? Bien sûr que ça va. J'ai pas besoin qu'on vienne me materner. C'est vous qui m'avez appelé. Ah ouais? Pourquoi est-ce que je fais ça? Bon sang, je me rappelle rien du tout. C'est comme mes médicaments ce matin. C'est pour ça que je t'ai appelé. Ils sont où vos médicaments? Les médicaments? Oui. C'est quoi les ingrédients? Les ingrédients de quoi? Médicaments. Comment tu savais que je prenais un traitement? Hein? Y'a-t-il des pattes? Alors vas-y, dis-moi, quand je vais casser ma pipe. Oh, laisse tomber, je veux pas savoir. Par contre, il faut mes médicaments. Tiens, prends cette liste blanche. Ramène-moi ça et je t'apprendrai la recette spéciale. Cette conversation. Quoi? Non, rien. Ah, lui, je crois qu'il y a Alzheimer qui lui pend au nez. Alors, moi, le seul soldat, en fait. Oula, pourquoi la musique a changé tout d'un coup là? Je sors de la maison, musique épique! Je rentre dans une maison, musique épique! Attendez, vous avez pas une mission encore plus simple? Ah, par contre, ça va me prendre une recette spéciale, j'ai l'impression. J'en 3, hop là, voilà. Ensuite, c'est tout?
maintenant il va pouvoir se faire des nouvelles cigarettes, en plus d'Alzheimer. Et voilà, qu'est-ce que je disais. C'est moi qui entends ce foutre de ma gueule, le gars là. Non mais en plus d'Alzheimer, le mec il sait pas du tout quoi il me parle. Alors, c'est avec les jeunes maintenant que je dois prendre, je parie. Hop là. Et là. Et un troisième. Par contre, c'est bizarre cette musique épique. Il ramasse des fleurs. Musique épique, mort de rire. ça me stresse un peu la musique épique, je vous dis, j'ai l'impression que je vais me faire tuer par un truc là, je vais pas comprendre. C'est bon, et maintenant ça va être quoi que je vais aller devoir chercher. Ça va me demander de chercher ses cigarettes, vous allez voir. Je sais pas pourquoi je le sens. Alors, les plantes qu'il faut, c'est cigarette, bœuf, ecstasy, cocaïne. Ça va être ça plutôt. Attendez, je vais voir si c'est la one shot. Oh, je l'ai eu! Ah yes! Oh merde, crame pas de nounours. Je peux le créer un truc, cette chance. On va pas cramer les plombs du monsieur, sinon il va devoir les fumer. Quoique c'est peut-être déjà sifflé en fait. C'est peut-être ses plombs pour les fumer. Si c'est. J'ai dit, c'est une île de drogués, de gays, de mecs bizarres, qui s'entretuent et qui se bouffent sûrement au passage. Mais bon, c'est normal. Voilà pour vos médicaments. Les médicaments? J'ai pas besoin de médicaments. J'espère que vous plaisantez. Ah oui, les médicaments. Les sages réunions, ce que je peux dire vraiment. Merci d'avoir aidé un vieux bonhomme. Tiens, prends une copie de la recette. Ça sera utile à la vie. J'ai cru que j'allais les triper ce gars quoi. Mec il veut tuer toutes les plantes qu'on trouve sur l'île quoi. Je vais te tuer. Je vais te tuer connard. Si t'es pas dans ta maison, tu sais jouer ta maison, jamais t'en veux. Mais pourquoi là ça brûle pas? Oh, je me suis fait couiller. Il garde son nature, je veux voir si ça fait. Ça va mettre, c'est de la vol, bon. Nature. Cette recette octroie une perception accrue de la chlorophylle, ce qui permet de voir les plantes à proximité. Oh, ouais, ça peut être sympa. En plus, c'est pas trop difficile à faire, je vais pas vous le cacher. Donc, tant mieux. Voilà. Ah, j'ai déjà 3 picouzes. Allure. Voyons voir. Peut-être en faire une dernière. Vous savez quoi, de toute façon, vu la masse de thunes qu'il me faut pour acheter les 2 dernières armes qui me manquent, je peux encore y aller à mon avis. Je vais pas vous le cacher. Je peux encore en faire des missions et puis voilà quoi. Je sais
pas fâché d'être un gars de rapiat. Quoi dire, comme d'habitude. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Ok, j'arrête. J'interagis avec le poème. Attention. Je vais essayer dans ça. On s'approche. Eh, mais attendez, je suis déjà bien ici, moi. Il y avait des reliques au fond. Et là, maintenant, il y a un mec. Il aurait dû être un cannibale ou quoi? Jason, je m'appelle Simam. Je suis un ami de Dennis. Toi aussi, t'es un ami de Dennis. Donc on devrait être amis, non? Pas sûr d'avoir la même logique, je te comprends. Ça fait un moment que t'es sur cette île au passé glorieux. Et les ancêtres sont sûrement tristes de voir ce que leurs magnifiques temples sont devenus. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. On voudrait restaurer ces temples. Il nous manque les tablettes gravées qui ornaient autrefois les murs. L'armée impériale les a volées il y a plus de 60 ans. Mais je crois qu'elles n'ont jamais quitté l'île. Donc j'essaie de les retrouver. Tu ferais ça? Je vais voir ce que je peux faire. Merci, c'est un honneur. J'aime bien la logique du mec. Les amis de mes amis sont mes amis. En gros, on est tous amis. Et pourtant, il y en a qui se tuent. Bah ouais. Si vous suivez la logique, ça veut dire que les amis de vos amis de vos amis sont vos amis de vos amis. De vos amis, 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 de vos amis. De vos amis. Putain, en plus de ça, il fait nuit, comme par hasard, ça va vachement faciliter la tâche. Ouais, je sens que c'est ici, mais je trouve rien. Mais déjà, je sais même pas ce que je trouve. C'est des tablettes, c'est ça, j'ai compris. Ah, sûrement là-dedans. Voilà. Ça va forcément dans un espèce de bâtiment, de toute façon. C'est où après? Attendez, que je viens de dire où est-ce que ça peut être. Oh, c'est pas au fond du temple, j'espère. Oh merde. Ah, je suis déjà venu ici pour une relique. Ah bah, doit être là-bas, hein, ici. Ouais, alors au passage, vous voyez cette porte-là, faut la détruire avec des explosifs. J'ai grave délire, en fait. Alors, attendez, moi j'avais mis une charge de C4. Au pire... Au pire, ne faites pas comme moi. Voilà. Et là, vous l'avez détruit. Voilà, il y a plusieurs choses comme ça que vous pouvez détruire. Hein. Alors, non, à mon avis, elle est plus là, voilà, j'avais raison. Comment je vais passer, moi? Putain, il y a l'échelle qui me bloque le truc, quoi. Là, voilà, là, voilà. Ah, prends-la, voilà. Tac. Et après... Bon, au fond, quoi. À 255 mètres, c'est parti! Ah, donc là où j'étais, il y avait une relique. Hein. Mais bon, on a eu, si vous voulez toutes les reliques, vous regardez un truc, ou alors bah, si vous voulez, vous les cherchez vous-même. À vous de voir. Quoi? Chef de la mission? Attendez, je peux avoir une explication là? Il y a un temps imparti. Attendez. Je suis sorti de la zone, c'est ça? Comme quoi on me fait chier avec vos putains de zones de merde. Allez, faut tout recommencer là. Ah non, il y a juste celle là-bas. Ah non, d'accord. Ok, elle est dans le temps. Yes, génial. J'en étais sûr. Putain de merde. Allez, c'est parti. On va se casser.
Encore c'est du coup ça. Alors, faut pas avoir peur. Mais je n'ai pas peur. Ah bah je la vois. Elle était juste là. Hop là. Ah, appuyé. Voilà. Bon bah c'est pas très dur à avoir. Finalement plus facile que ça je pensais. Tu sais quoi, il reste ta langue même dehors, monsieur. Il n'y a pas grand chose. Et quiz. Voilà. Jason, merci. Oh, merci, merci, merci. Les tablettes sont notre héritage. Nos ancêtres nous parlent à travers elles. Et nous les honorons en les écoutant. Hein? Tu nous as rendu un fier service. Prends ça. Tiens, tu l'as bien mérité. De rien. Prends quoi? Plus de 500 dollars? En fait, tu m'arnaques, quoi. Comme d'habitude. Ok, vas-y, foutage de gueule, génial. Comme l'impression qu'on m'utilise sur chaque île. Quelqu'un a besoin de quelque chose? Tiens, j'en goûte. Vous pouvez déplacement rapide impossible? Oups. C'est parce que j'étais en train de monter sur le couloir, peut-être parce que ça se gardait, je sais pas trop. Voilà. Le fil d'assaut est idéal pour le combat à moyenne distance, mais convient à les opérations furtives. Perso, les opérations furtives, je le fais plus à l'heure qu'il y a au sniper. Là, maintenant, je pourrais plus. Étant donné que mon sniper n'a pas de silencieux. Enfin, la MR, il en a pas. Et vu que ça va devenir mon sniper. Voilà pour. Et. Ici. Arme signature, 4800. Attendez, vous savez quoi? Est-ce que finalement, si je vais chez la meuf, c'est pas moins cher? C'est ce que je suis en train de me demander, si les magasins sont pas moins chers. Parce que. Si dans le cas échéant, ça l'est. C'est 4800. Non. Ah ouais, non, j'ai envie. Ah, je me suis fait couiller comme ta putain! Hey merde! Yeah! Bitches! Voilà! Moi, il me reste encore 3275 à avoir pour avoir la déchipeuse. Putain! Ta gueule! Attendez, je vais voir ce que je peux créer déjà. Non, pas ça, ça. Confection. Non, là, il faudrait que j'ai la peau de buffle. Et là, la peau d'ours immortel. Sacoche à explosif. De qualité. Ah, c'était peau de tapir à ventre blanc. Attends, je prends que la dose. Soit je trouve où est-ce qu'on peut avoir le buffle à une corne ainsi que l'ours immortel. Il faut dragon komodo. Ah merde, je suis con. Ah, pourtant j'en avais tué des buffles. Putain, je me suis fait couiller les gens. Bon, attendez. Voilà. Bon, j'ai pas débloqué les A93, mais j'ai débloqué ça. Et ça, les gens, c'est puissant. Ça, c'est du vrai calibre 50. Anti-char. En même temps, il s'appelle anti-matériel rifle. Hein. Donc, quelque chose qui s'appelle anti-matériel rifle, c'est anti-matériel. Captain Obvious. Bon. Je me souviens qu'ici, on a fait une mission avec beaucoup de dragons komodo. Et j'espère qu'il en reste. C'était quoi ça? Un tapir. Bon. Tapir robuste. Ah bah tiens, sous chance. Ouais, ça va one-shot assez facilement tout ce qui bouge.
façon, j'ai l'impression que l'AMR one-shot tout, y compris les véhicules. Donc c'est assez efficace. Je vais pas vous cacher, j'ai beaucoup utilisé fusil précision de l'avant. Tandis qu'en plus, il a un grand chargeur, c'est assez efficace. Ça m'aurait bien amélioré à me ranger plutôt que les dragons Komodo plutôt que de les tapir. En même temps, je suis dans une zone à tapir. Alors, quand bon, vous savez quoi, les dragons Komodo là-bas, on va aller voir les dragons Komodo. Ah non, j'ai pris le C4. Attendez. Ça. Non, ça. Voilà. Bon, je comprends pas encore le système pour bien assigner à chaque fois triangle. Attendez, tac. Ça a d'être bon là. Voilà. Ok, d'accord. Ok, c'est... Je commence peut-être à comprendre finalement. Ils en font du bruit pour des bêtes comme ça, quoi. Ah, revenez là, revenez là, revenez là, revenez là. Ah, je suis con, il y a un col ici. Ah, attendez, on va être tué. Donc, si vu qu'il me faut 3 pommes, il faudra que j'en tue au moins 2. Ça rend pratique, par contre, le truc de pouvoir choper 2 pots à chaque élimination, parce que... autant les fleurs, je m'en branle un peu, mais autant là, je m'en fous pas du tout. Parce que je fais pas beaucoup de remèdes en fait au final, donc ça me sert pas des masses. Voilà tout. Alors, yo. Ouais, bah, il y a vraiment Komodo, il n'y en a pas des masses non plus. Ok, je crois l'avoir trouvé. Ah, attendez. C'est bon quoi de ça, je suis con. Bah, j'en ai entendu un, mais il n'y en a pas. Ça s'est fait couiller les gens. Ouais, tu dépasses quoi là? Un sanglier. D'accord. Vous savez quoi? Ça peut me servir. Il n'y a pas un Komodo dans le coin. Vous savez quoi? La chasse en voiture. On n'a jamais essayé ça. On a fait la chasse au fusil à pompe, la chasse à l'arc, mais pas la chasse en voiture. Avec un peu de chance, c'est efficace. Ouais, c'est efficace. Ah, bah ils en ont su un là-bas en plus. Vous savez quoi? En plus, j'en entends un autre là. One shot. AMR power. Voilà. Non. Moi je prends, je dépasse uniquement ce que j'ai chassé moi-même. Je prends pas ce qu'il y a aux autres. On va retourner la voiture. Plutôt efficace la chasse avec la mitrailleuse. Ça fait vraiment penser au véhicule de Just Cause 2 quand même. Alors, confection. Confection, protection, confection. Sacoche à projectile, sacoche qui était une machin chose. Tu vois le Komodo de sang, mais il m'en avait demandé en plus, je sais plus où, un dragon, un Komodo de sang. Donc je vais chercher ce que je cherche. Ça fait projectile, cartouche, il faut des buffles, salle de roquettes, il me faut. Oh, les dingos!
J'ai eu grave galéré. Elle a des sangliers. Ok, alors, il faut des buffles, des dingos et des sangliers. Alors, sanglier. C'est là-bas. Attendez. Les dingos, c'est ça. Tiens, les dingos, c'est drôle. C'est même d'ailleurs peut-être là qu'il m'avait demandé, je crois, le dragon Komodo de sang, justement. Sauf que je crois qu'il me demande de chasser avec un arc. Ouais, avec un arc. Vous savez comment je suis assez doué à la chasse à l'arc. Je vous laisse deviner la suite. Je pense que je vais me faire défoncer la gueule. Et c'est chiant en plus, parce que sinon je me serais fait des flèches incendiaires. Je crois que c'est là, mais je suis pas sûr. Voilà, tu casses le Komodo de sang. Avec l'art fourni, comme d'habitude, pour bien te casser les couilles. Oh, ça 140 mètres, on va y aller. Alors, un arc, tac. Arc, c'est bon, j'ai. Les flèches, j'ai. Mais, Komodo de sang. J'ai pas. Pardonnez-moi. T'es où, Komodo de sang? Ouh, mon ami. Je suis venu à peu près en tant que pacifiste. Attendez, c'est pas ça qu'il y a là-bas? Je vais trouver un espèce de truc rouge. Mais là, j'ai pas raison. Attendez. Je vais voir si c'est... Non, c'est lui. Attendez, vous allez me dire que je faillis toutes mes flèches là? C'est pas ça l'animal rare, notre tête tue? Ah non. Ah non, par contre, c'est bel et bien lui. Hein. Oh, le con. Voilà. C'est fait. Hop là. Je vais te faire donc cul, connard. Je vais arrêter. Alors, on va voir s'il n'y a pas d'autre mission à la voie du chasseur. Alors, on va aller ici. On va faire un peu de voie du chasseur histoire d'essayer de trouver peut-être ce qu'il me faut pour améliorer. J'ai une mission carbonale pour l'entendre sur ta. Ah oui. Je vais aller voir que. Voilà. Ça cache un projectile, c'est bon de toute façon, ok. Voilà. Pas un truc, je sais pas, avec un fusil à pompe. Un tigre doré, taxidermie, là c'est un spécifique fourni. Vas-y, je vais le faire, un tigre taxidermiste. Mais sérieusement, ils ont pas des noms encore plus bizarres donnés à leurs animaux. Il y a un tigre là-bas en plus. Et puis c'est qu'à chaque fois il me demande de chasser avec l'arc. Enfin, c'est peut-être pour pas abîmer la peau à mon avis, qu'ils me disent ça. Parce que peut-être que sinon la peau elle est pas de si bonne qualité. Parce que c'est un animal rare et pas la peau elle est de bonne qualité. Peut-être qu'il s'aime. Moi avec l'arc fourni comme d'habitude, c'est Bibi qui s'y colle. De toute façon j'ai déjà une mire sur mon arc, ça m'aide un petit peu. Non, en plus la zone n'est pas trop loin, ça va. Avec un peu de chance, je me fais tuer sans trop de souffrance en plus. Ah. Est-ce que c'est lui? Ta gueule! Je te veux pas.
te veux pas de mal, bordel de merde. Putain, c'est chaud. Peut-être le petit gros. Elle va me bouffer les mains, je te marre. Yeah, putain. Oh, c'est dur, je vais pas vous le cacher là. Oh putain. C'est chaud. Putain, et ils me mettent vachement mal quand même, ces conneries. Je vais pas vous le cacher. Waouh, putain. Puis en plus, c'est qu'il y a un espèce de QTE en plus quand il me bouffait le bras. Je vais pas vous le cacher. Mais écoute, j'avais pas réussi. Hein. Bah vous savez quoi, on va faire ça qui est au village des Maniaki. Ça me tentait un jour de la faire, donc bon. Voilà. En fait, j'ai l'impression que ça, il faut que je tue des animaux rares avec avec un arc. Et les trucs recherchés morts, c'est faut que je tue un mec avec un couteau. Voilà. Ouais, c'est dommage qu'on puisse pas avoir un couteau de lancer. Ce serait tellement plus simple. Ah, ce serait tellement plus simple, vous me direz. Voilà. Alors, la voie du chasseur, c'est par ici. Interagir. Les os sont grièvement blessés. Utilisez le fusil. Ah ! Là, vous me faites plaisir. Là, vous me faites plaisir. Apparemment, par fusil, ils entendent bien fusil à pompe. Enfin, j'espère. Si par fusil, ils entendent pas fusil à pompe, je suis pas d'accord. On va régler ce problème d'ours. Et là, je vais voir un vieux fusil, genre le M16, MS16, je sais plus comment ils l'ont appelé. Je vais voir un vieux truc tout pourri. Ça me ferait chier, je le cache pas. Non. L'animal reste en deux. Voilà, on va s'en charger, genre. Oh, bah attendez, en plus, il. Et mec, en plus, je suis en bâtard avec une tourelle. Ouais, d'accord, dans une droite, ok. Vas-y, je vois le premier. Je sais pas si vous le voyez, il est juste là à l'entrée. Ouais, je vais vous le marquer pour que vous le voyez. Hop, il est juste là, voilà. Le deuxième, il doit pas être bien loin. Viens là, Tigrou. Enfin, Tigrou, non. Viens là, mon ours. Voilà, connard. Le deuxième, il doit être à l'intérieur. Je l'entends. Allez, t'es où, espèce d'enfoiré. Je vais peut-être aller le déposer le premier avant qu'il disparaisse. Ah non, mais attendez. Je vais fouiller ton corps, baby. C'est juste un coquillage. Connasse. Quoique, c'est peut-être une monnaie. Avec un peu de chance. Ah là, un peu de nez. Viens par là, je t'attends. Voilà, t'es là. One shot. Chasse au fusil à bombe, ours. Ah, j'ai. Genre, il n'y aurait pas une relique dans cette boîte. Mort de rire. Bon, bah tant pis. Alors. Oula. Peut-être qu'il y aura de la pluie. C'est dommage, il fait tellement beau. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Du coup, ça ne m'a pas apporté un animal spécial, vous allez me dire. Et vous avez raison, c'est le pire. Donc, on va aller voir ce qu'on peut trouver d'autre. Ça fait 54 minutes, moi, vas-y. Ouf. J'ai envie de jouer à ce jeu. Alors, là-bas, voie du chasseur. Oh, tu peux arrêter avec cette musique épique dès que je fais un truc. Tout à l'heure, j'ai pu regarder faire musique épique, je sors d'une maison de musique épique, vas-y. On m'en met à toutes les sauces. Si c'est fusil sniper fourni, j'essaie des serres pour la famille, ok.
Hey! Maintenant, sniper! Ok. Sniper, voilà. Vous allez voir les ça, ils vont pas faire long feu. C'est quand même des petites balles explosives, ce truc. Hein. Enfin, même si l'explosion est interne, donc que ça soit pas, c'est très efficace. Si je peux exploser une Jeep en une balle avec, alors imaginez si je peux faire des sets. Oh, il faut que le vieil M700, c'est. Attendez, vous savez quoi, il y a ça. On va en profiter, hein. Alors, le premier. Ta gueule, connard. Vous savez quoi, je vais aller dépecer en même temps. Histoire que ça me fasse en même temps des pots de serre pour moi. Il était mort par où? Ouais, au pire, Osef. Hein. Voilà. Tac. Sérieux toi? Putain. Il en reste deux, on va vite s'en charger, vous inquiétez pas. Deuxième était mort là. Voilà. Maintenant tu me demandes de chasser au sniper. Enfin, vous me direz, il y en a qui chassent bien avec des carabines, donc c'est légèrement l'ancêtre du sniper. T'es à moi toi. À ton fessier. J'en profite pour les déposer, ça me fera de la peau de serre. Si jamais on me demande de la peau de serre comme ça. J'en ai en stock. Il est où le dernier? Il se cache. Alors les autres, je les ai tous enchaînés et là, le dernier va me poser un gros souci. Laissez-moi voir. Où est-ce qu'il va être ce putain de serre à la fin? Désolé. Quand j'ai ma fenêtre ouverte, on entend très bien sur la rue ou encore ça. Dans un petit patelin où il n'y a pas une putain de bagnole de la journée. Donc ça va. Enfin, je veux dire, c'est pas. Je suis pas à côté d'une grande roue. D'une grande route. Au maximum, vous allez entendre un à deux trucs. On n'allait pas compter le nombre de voitures qui vont passer dans ma rue, parce que sinon. Il y en a eu 4 qui sont passés. Je fais pas la circulation. Ah, pas encore. Alors. Il n'y a pas d'autre mission de chasse là? Si là-bas on me demande. Station service de machin chose. Je me souviens, j'avais pas mal galéré à avoir ça là. Ce sera peut-être tout. Oh non. Parce que j'ai pas mal de choses à faire. Après, il faudra que j'aille tuer des buffs, il faudra que je fasse plein de trucs. Pareil, que j'aurai tué des requins aussi, sûrement, pour améliorer mon matière touchière. Maintenant, c'est un azou. Vous êtes sérieux? Témoignage indique qu'un ours immortel. Ah! Tu des promeneurs, traque l'animal et tu l'as avec le fusil. Fusil à pompe ou fusil sniper, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va être un sniper là. Ah, l'ours immortel, ça m'intéresse du coup. Je sais pas avec quel fusil vont me demander. On va pas parler de fusil. Ah, mais arrête de prendre l'arc. Arrête de prendre ce putain d'arbre, bordel. Voilà. Alors.
Ça m'intéresse. Fusil à pompe ou fusil sniper? À mon avis, ce sera plutôt un fusil à pompe. Parce que le fusil sniper, ça peut être difficile pour tuer un ours. Ah oui, on va sûrement dans une petite gloire comme on a eu tout à l'heure. Je pense. Ah non. Peut-être pas finalement. Attendez. Attendez, parce que ça c'est une gloire, je crois. Non? Non, j'ai rien dit. Chasser l'ours immortel, animal rare. On va voir s'il est vraiment immortel. Voir s'il est toujours immortel face à du plomb. Et j'en étais sûr. Regardez, je crois que j'ai trouvé les passants. Tiens, on l'entend. Ah, putain, il a même buté un but. Ah, le voilà. Oh putain! Oh, il est vraiment une sale gueule celui-là. Est-ce qu'on peut dépecer le buffle là? Putain, il avait de la thune surtout là. Putain, il était c'était un petit richou. Hein. Confectionner, confectionner, bandoulière améliorée. Bon. D'accord, comment tu as un des pirates de là, c'est un passant. Et le pirate de là, il peut se défendre quand même. Je sais pas. Ah, on a une autre ici, tiens. Ça m'intéresse. Ce sera peut-être la dernière que je vais faire. Enfin, j'espère que c'est un animal rare qu'on me demandera là. Ah ouais, quand on meurt, c'est au pylône radio ou au refuge le plus proche qu'on va apparaître. Ah ouais, tiens. Ce qui est en soi logique. Alors. Des léopards ont tué la femme d'un villageois. Chassez-les avec un. Ah oui. Donc on se retrouve. Alors, mon logiciel a encore planté, je sais pas pourquoi. Bon, heureusement, je m'en suis aperçu. Donc, bon, bah, je vous ai laissé juste en bas. Donc, j'ai juste eu le temps de monter et de me faire tuer par ça. Faut mettre au moins 4 flèches, c'est impossible, hein, 4 à tuer, je sais pas comment je vais faire un truc, ça m'a quasi one shot. Vous allez voir. C'est grave compliqué. Attendez, il a eu peur lui. Ah, et si on se plante? Ok, attendez. En se planquant, on peut peut-être l'avoir. Je sais pas si je l'ai touché, j'ai pas l'impression. C'est quasi impossible les gens, je peux rien faire. C'est quasi impossible. Je sais pas comment faire, sincèrement je sais pas comment faire. Je vais récupérer des munitions d'arc. Et ensuite les tuer mais... Oh, je sais pas comment faire là.
Vous avez vu comment ça tue vite. Et encore. Là j'ai eu de la chance, j'ai pu lui mettre des flèches faciles quoi. Ça va, il bouge pas. En effet, j'essaie d'aller le tuer lui. Yes. Non, coupé. C'est quasi impossible les gens. Je sais pas comment je vais faire. Là j'ai vraiment eu de la chance pour les deux. Là, je l'ai mise. Oh putain, ça peut se faire, ça peut se faire, ça peut se faire, ça peut se faire. Il me reste plus que l'autre à tuer. En fait, il suffit d'être bien discret et il nous repère pas, ça va. Si on est bien discret, il nous repère pas. Donc là. Ça peut-être finalement te tenir. Non, je suis en train de prendre confiance en moi pour rien. J'allais dire, je commence peut-être à devenir un bon chasseur d'arc, mais non, non. Pas déconner non plus. Bon. Bon. Oui, je parle de bonbons, mais. Vanne de merde. Je vais si je peux pas confectionner des choses du coup. Sac à butin, mais ouais. Requin mangeur, ça je le sens pas. Les requins, c'est ce que j'avais le moins à tuer. Ah là. Faut que je me fasse des buffles. Des sangliers. Et dingo. Alors pour buffles et sangliers, c'est ça que je peux faire. Easy. Ça fait quoi? On va aller par là. On va se faire des buffles et des sangliers. Faut que je regarde perpétuellement mon écran pour savoir dès qu'il plante, parce que je sais pas pourquoi. Je vais aller peut-être qu'il y a une mise à jour à faire, je sais pas faite ou. Au pire désinstaller, réinstaller. Ça marche des fois. Alors. Tac. Alors vous allez voir, les dingos c'est assez marrant à tuer. En général c'est bien qu'ils se déplacent par 3. Donc c'est assez facile à trouver, vous allez voir. Enfin moi la dernière fois j'en ai trouvé des masses. Non, suffit de vous balader ou d'en trouver. Attendez, vous allez voir. Hop. Alors. D'accord. Si vous baladez, vous en trouvez des masses ou pas. D'accord. Bah, attends, la dernière fois j'en avais trouvé plein. Je crois que c'était des.
Putain de club. Clébar, et là j'en trouve pas. Bon, d'accord. Putain, mais la distance à laquelle je suis d'eux. Je vais descendre pour aller faire des sangliers, je crois qu'il me faut deux pots de sangliers. Ah 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 ah. Voilà. Vous avez entendu, c'est ça, Dingo. Hein. Il m'en faut 4. Putain, l'autre s'est cassé. J'en ai pas touché un autre là. Ah, il y en a là. Voilà. Hop. Yeah. Des sangliers. Alors moi on avait un peu près de cet étang. J'en avais trouvé un peu. La dernière fois je vous le dis, pour aller chercher du kangourou, j'avais mis la masse. Hein. Quand il n'y a pas de kangourou dans le jeu, vous pouvez aller très loin pour en trouver. Hein. Et... je me suis dit, mais c'est peut-être ça les dingos finalement. Mais devinez quoi. Bon, des sangliers. Comme par hasard, il n'y a pas un putain de sanglier. La dernière fois, j'en avais trouvé un peu quand même. En cherchant les dindos, justement. Et quand je cherche des sangliers, il n'y a pas un sanglier. Il y en a zéro. Yes, j'en entends bien. Orsiné. Son derrière, il a amorti les balles, quoi. Joli signe. Oh non, c'est un cochon. Enfin, c'est un sanglier. Putain. Pour moi, c'est la même chose. J'en prends quand même, on sait jamais, ça me sert à rien. Merde, je me trompe. Confection. Faut que je trouve ce que c'est le nuclear cord. Celle de roquette. Petit là. Sanglier, non. Je suis des sangliers, des mufflons. Alors. Ah, sanglier, c'est ça plutôt, voilà. Les buffles. C'est ça. Là, je pense qu'on est d'accord. Ok, donc, si on va ici, on peut après se faire des buffles. Ok. Ça devrait être bon normalement. Après. Faites-vous de l'argent en analysant des activités et des gâteaux. Alors, interagir. Interagissons. L'annonce. Là, il faut. Ok. Je vais un peu ce qu'il faut que j'aille après. Ouais, faut que je tombe.
Non mais attendez, vous êtes sérieux, j'ai réussi à la bloquer là. Hein, les frères du sombre, vas-y, c'est quoi, je vais continuer à pied. Pitié qu'il y ait des buffles. J'ai pas envie de passer 3 ans à les chercher. Putain, je le sanglier. Je le sanglier. Attendez. Ah, bah d'accord. Finalement, ça a l'air d'être plus par là-bas. Ou pas. Un tigre, ça m'intéresse. Ils m'ont tué où, tigre? Visé par ici. Merde, j'aurais bien aimé avoir la peau de tigre, voilà, ça m'intéresse. Ah, vous faites chier. Oh, un buffle. Un buffle, un buffle, un buffle. Yeah. Je crois que l'autre, il est pas content. Ah, c'est un tigre. Où est le tigre? Où est le buffle, là? Voilà. Alors. Oh putain, à chaque fois je me trompe. Confection. Non, je suis con. Là je peux le faire. Ah, faut-il. Ah, faut-il odorer. Bon, comme ça, c'est fait. Mon oulier combustible, faut sanglier. Et l'autre, c'est quoi? Faut-il encore. Et le carquois, on peut le retirer manger. Sanglier et tigre. Alors, vous savez quoi? On va chercher des sangliers, on va chercher des tigres. Alors, non, sanglier, c'est plus ça, voilà. Si je trouve deux tigres, je me les fais. Ça me devient gratuite en magasin à mesure que vous activez les pylônes radio. Pas tant mieux. Bon. Laissez-moi deviner les sangliers, je vais pas en trouver un seul. Et les tigres, je vais pas en trouver un seul non plus. Mais deux. Je sais pas, j'ai galéré comme d'habitude. De toute façon, dès qu'on cherche les choses, on ne trouve pas. Ta gueule. J'ai pas le matériel nécessaire. Alors, attendez. Ouais. C'est ici. Non, continue encore. Ok, ça doit être là. Je m'en fous de ton gaz. Allez, il faut que deux pots de sanglier. Ça veut dire un seul sanglier à tuer. C'est limite dommage qu'on puisse pas les acheter. Enfin, vous me direz, ça rendrait le jeu un peu trop facile du coup. Mais bon, l'argent, c'est vrai qu'il n'y en a pas non plus des masses. Enfin bon. Ça se trouve, il y a même des codes de triche pour le jeu. Et puis c'est vrai que ça sera peut-être un peu trop simple. Et pourquoi il n'y a pas sanglier comme d'habitude? Ah, bah si. Oula, attendez. Voilà, je referme mon affaire. Vous savez quoi?
Je vais en faire du stock. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, tu vas m'attaquer. Voilà. Alors, on va en faire un peu de stock quand même, des potes sangliers, sinon ça va être chiant. Comme les léopards et les cerfs. Ça, j'en aurai un petit peu. J'en aurai 6. Voilà. Je crois que j'ai ce qui était nécessaire. Alors, avant de lire un combustible. Voilà. Un commodo, j'ai. Casuar à plus jeune. Je n'ai point. Vendeur combustible. Oui, là, si j'en ai amélioré, je suis con. J'ai déjà tout. Des salles de roquettes. Il me faut des tigres. Ok. Alors, voyons voir si je peux trouver des tigres. C'est ça les tigres, j'ai l'impression. Ok, donc on va se taper ici. Du coup, là, faut que j'ajoute. Ça ferait ouais, à peu près 1h30. Un petit peu plus, du coup. Mais bon, on aura fait plein de trucs, vous me direz. Donc tant mieux. Alors. C'est parti. Donc les tigres, on les trouve là-bas. Plein milieu de nulle part. Oh, au moins il y a. Ah mais attendez, c'est là où j'étais tout à l'heure de toute façon pour... Chasse au fusil à pompe. Épisode 3. Alors...